Je vois pas la ressemblance. Il y a des objets qui t'attendent, Kay. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi? Ce sont des pièces compatibles avec ton blaster. Ton VM-19 est rudimentaire, mais très personnalisable. Il n'est pas rudimentaire. Il est vintage. Une fois installé, ce conducteur te permettra de créer un tir explosif puissant. Tu peux utiliser l'établi pour fabriquer le module. Oh, ça tient. J'espère que ça marchera. Si ce n'est pas le cas, ce sera en raison de ton inexpérience et de manque de tactique de... Ouais, ouais, j'ai compris. J'ai repéré quelques endroits où le module devrait s'avérer utile. Ça marche. Merci du coup de main. Je vais me remettre à la recherche de Hank. Hey, j'ai reçu un message de l'héritière du trône Ashiga. C'est triste qu'il vous parle. Retrouvez-moi à la cantina de Kijimi. Nous avons beaucoup à nous dire. On dirait que Chris a une contre-offre. Peut-être. Mais les Ashiga n'ont pas pour habitude de défier leur reine. Nous avons également reçu des offres d'emploi de la part du clan Ashiga. L'une d'entre elles vient de Danka, qui t'a laissé un message à bord du vaisseau. Entendu. Ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus. On reste pas ici. Auto shutdown initiated. Préparation à l'hyperpropulsion. Hyperpropulseur en route. Auto shutdown cancelled. Charging battery.
L'hyperpropulseur est bloqué par la nébuleuse. Oh, tank Varric. La nébuleuse nous empêche de sauter. Sérieux? J'entre les coordonnées de l'hyperpropulsion. Allons-y. J'ai pas besoin de babysitter. Pourquoi je te laisserai pas quelque part jusqu'à ce que tu sois prêt? Je ne pense pas que Jaylen soit d'accord. Et après, t'as qu'à lui dire que t'es encore là? J'ai l'impression que tu essaies de le doubler. Veux-tu que je le prévienne? Non. Non. Bon, bah, laisse tomber. J'ai visité tous les biomes imaginables, et certains qui défient même l'imagination. Je leur dois un service après notre petit accrochage sur Kanto. Ah, tout le monde est sarcastique alors. Parfait. Il va nous falloir un réparateur de droïdes talentueux pour gérer le portier. Si tu dis que Guidic est notre homme, alors je te crois. Et moi, je pense que non. Qu'est-ce qu'un simple voyou de Kanto Bight connaît aux droïdes? Il connaît toutes sortes de choses. Comment retirer un plot de contention sans se faire détecter? Il a même un pic pour effacer les protocoles. Si tu continues de parler, je vais devoir t'abattre. Et pour info, je n'ai pas besoin d'aide. Je ne suis pas cassé. Descends. D'accord. Si votre résidence est prête, rendez visite à vos voisins pour vérifier. Ok, comment
passe par l'Alcazar. C'est une cantina gérée par Surat Nuat, un gangster local. Si ton ami réparateur de droïdes est aussi bon que tu le dis, Surat le connaîtra certainement. Et qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce type ? Surat est un contrebandier. Il utilise les catacombes sous la ville pour déplacer ses marchandises. C'est aussi un psychopathe. Et apparemment, il est en conflit avec les Pikes, Amira. Merci, ça va m'aider. Tu ne me remercieras pas après avoir rencontré Surat. Mix, ignore-les. Si t'es là pour le tournoi de Sabak, t'arrives trop tard. Quoi ? Non, j'ai besoin de voir le patron. Vas-y, Surat se trouve à l'arrière. Merci. Ça joue beaucoup au Sabak dans le coin ? Y a un flambeur en ville. Alors tous les joueurs de Mira veulent tenter leur chance. Bon à savoir. Hé, hey, Jaylen. Je suis sur le point de rencontrer Surat, mais j'aurais besoin d'arguments convaincants. Pourquoi ne pas lui offrir de l'épice en échange d'informations sur ton ami ? Oh, ouais. Ça pourrait marcher. Vois ça comme un investissement. En tout cas, fais attention à toi là-bas. Hey, je dois voir Surat. Ok, bonne chance. Oh, Kirk. C'est qui, ça ? Quelqu'un qui m'a trahi. Fiche le camp. Attendez, j'ai quelque chose qui peut vous rendre très riche. Mais j'ai besoin d'informations. Quel genre d'informations ? Je cherche un Rodien, Giddick. J'ai juste besoin d'un lieu. Continuez. J'ai 2 cargaisons d'épices Sansana. Je vous les donne avec plaisir si vous me dites où se trouve Giddick. Je vois. Marché conclu. Ton Rodien est dans un centre de recherche impérial. À moins que le cartel des Hutt l'ait déjà tué. Hein ? Mais... Et qu'est-ce qu'il a fait ? Tu lui demanderas. Si tu y arrives assez tôt. C'est mon frère. Quoi ? Le type dans la table. Il a eu mon œil. Mais... je lui ai pris tout le reste. Ouais. Il y a un air de famille. Hey, ND5, Jaylen. J'ai une piste pour Giddick. Il travaille dans une base de recherche impériale. Il est avec l'Empire. On devrait tout annuler. Giddick n'avait pas le choix. C'était la tôle ou l'Empire. D'autres choses à savoir sur lui ? Il s'est aussi fait quelques ennemis sur Akiva. Mais je m'en occuperai. T'as intérêt, Kay. Parce que tout ça m'a déjà coûté assez cher. Pour information, tout ça est une très mauvaise idée. Je
ce pas aux officiers et stormtroopers impériaux. Renix. C'est l'arbre rouge que j'ai vu sur la planète. Je me demande pourquoi. Hé, hey, MD5. Sura t'a dit que Giddick avait peut-être des problèmes avec les... On y va, fort. Ok, comme je disais... Hé, hey, MD5. Sura t'a dit que Giddick avait peut-être des problèmes avec les Huts sur Akiba. C'est pourquoi? J'entends beaucoup de rumeurs sur l'Empire qui déciderait les syndicats. Peut-être que ton ami est impliqué. Non, ça ressemble pas à Giddick. L'Empire change les gens, ok? N'oublie pas. C'est l'occasion rêvée de mettre la main sur de la contrebande? Dis-moi, ok? Bien sûr. Je veux dire, tous les droïdes se ressemblent, non? Pas vraiment, non. Les modèles Y7 sont particulièrement retors. Ouais, j'ai pu m'en rendre compte. Giddick s'est toujours bien débrouillé avec les droïdes. Je crois qu'il les aime plus que les gens. Bon, alors, où est-ce que j'en étais? Ouais, j'ai pu m'en rendre compte. Giddick s'est toujours bien débrouillé avec les droïdes. Je crois qu'il les aime plus que les gens. Je ne peux pas lui en vouloir. Est-ce que le climat impacte ton speeder? Il m'a l'air ok. J'aime bien la pluie, personnellement. Les gens des mondes désertiques trouvent souvent l'humidité d'Akiva un peu dérangeante. Ok, c'est bon à savoir. Moi, ça me dérange pas. Reparlons-en quand il aura plus 3 cycles d'affilée. C'est dur, donc. De Hotnix. J'espère que Giddick va bien.
J'ai pas signé pour faire de la garnison. Venez faire votre rapport. Terminé. J'ai hâte de rentrer à la garnison. Nettoyez bien vos blasters avant que les officiers arrivent. Nix, attaque. Sur ce bouton. Rien à signaler. Terminé. X, sabotage. Attaque, Nix. C'est facile.
C'est une zone interdite. Par tous les trous, c'est une zone interdite. Ouvre cette porte. Hein? Oh non. Équipe de recherche 4 au secteur 1 pour analyse phénotypique de l'échantillon. Ok. Je fais quoi, je suis là ? C'est sérieux ? Attention, la attaque à la fugitive est extrêmement dangereuse. Vous avez l'autorisation de tirer à vue ? Quelqu'un me reçoit ? On a besoin de renforts. Le terminal. J'espère que Giddick est pas loin. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Cette grille. Thank you.
chose. C'est pas ma faute, je le jure. Comment je pouvais être au courant que le Vipère irait traquer les syndicats? Je vais tout arranger. Il me faut juste plus de temps. C'est pas moi qui contrôle ce Vipère. Il faut me croire. On doit couper l'alimentation de cette tourelle. Viens, Nyx. Charging battery. Charge complete.
Nyx, vas-y! J'espère que ça a marché. Bon, Geddy qui a intérêt à être par là. Allez, Nyx, il nous faut ce turbo-ascenseur. Ça faisait un bail. T'attendais quelqu'un, peut-être? C'est toi, Kaïves? Impossible. Il n'y a aucune chance qu'elle se montre ici. J'ai un boulot pour toi. Tu sais, le genre dont on rêvait à l'époque sur Kanto. Ben, je rêve plus à rien aujourd'hui. Regarde où ça m'a mené, le dernier. Je sais que t'as des ennemis. Et moi, j'ai un problème avec un droïde portier. Propose un deal. T'as un vaisseau? J'ai un vaisseau. Et un droïde commando. Pièce d'origine? Comment je le saurais? Demande-lui toi-même. Ok. Je suis partant. Cool. Comme au bon vieux temps, pas vrai? Kitik! On part maintenant? Ouais, on va faire ça. Il y a un turbo-ascenseur qui t'amènera jusqu'à une sortie secondaire. Tu viens pas avec moi? Je peux encore utiliser mes identifiants pour sortir d'ici, je te rappelle. En revanche, il nous reste un petit problème de droïde vipère à régler avant de partir faire ton boulot, là. Ça a un rapport avec la raison pour laquelle les Hôtes veulent ta peau? Je te raconterai tout quand on sera sorti d'ici sain et sauf, ok? La garnison va faire une grande patrouille de sécurité. Kay, j'ai déverrouillé la trappe d'accès arrière. File d'ici, on se retrouve plus tard. Nyx, allez. Ça va être dur, Nyx. Chapelet!
fait péter ce tout. C'est donc ça, l'entrée arrière? Je l'ai vu. MD5, j'ai trouvé Giddick et il est partant. Bien. La piste de Jalen a été livrée à Surat. Je te conseille de découvrir pourquoi les syndicats en veulent à ton ami et de régler l'affaire. Ah, je vais trouver. Il a toujours eu le don de se mettre les gens à dos. Cela ne m'étonne pas le moins du monde. En fait, j'ai déplacé le Trailblazer vers sa Chine pour nous rapprocher de ta position. Giddick, comment on règle notre problème de droïde? Ton speeder, il peut aller sur l'eau? Si c'est pas profond. Alors il faut s'occuper de ça avant. Mon ami Emin Wexley peut te trouver un hydro-répulseur. Il a de la famille dans le village de Sachin. Va demander là-bas. Kay, Surat m'a contacté. Il semble avoir du boulot pour toi. Oh, comme c'est étonnant.